1, 2, 1, 2. Salut à tous, j'ai un peu peur aujourd'hui. Voilà, comme vous remarquez, mes cheveux ils sont un peu mouillés. À côté, il y a des outils de torture ou bien de coiffure, je sais pas comment on peut appeler ça. Et voilà, je vais me faire couper les cheveux par ma copine. En fait, ouais. Non, je vais plutôt mettre comme ça, pardon. Je pense que voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. En ce moment, c'est confinement, tout est fermé. Ça fait des semaines malheureusement que je repousse pour aller chez le coiffeur. Et là, il aura fallu que tout soit fermé pour que je me dise, bon, bah finalement, j'ai pas le choix. Hein. Sinon, je vais devenir vraiment en mode Chewbacca, comme je suis en train de devenir depuis quelques temps. Mais Chewbacca, ça fait déjà depuis un petit moment. Ouais. Mais ce qui me dérange aussi le plus, c'est la moustache là qui commence à entrer dans ma bouche et tout. Non, c'est compliqué ça. Et ouais, du coup, je sais pas trop comment ça va se passer. J'ai un peu peur et c'est pour ça que je voulais vivre ce moment avec vous. Voilà. Au cas où ça se passe mal. Voilà. Ce qui est fort probable. Parce que j'ai jamais coupé de cheveux d'un mec. Arrête, non, commence pas à dire un truc comme ça. Bah, c'est la vérité. Et comment t'as fait pour apprendre, du coup, toi, t'as une formation? J'ai regardé une vidéo sur YouTube. Yarabé. Ça veut dire je suis niqué. Allez, baisse ta tête. Yarabé. Là, on dirait que c'est l'abattoir, là. Alors, pour vous expliquer, alors, j'aimerais un dégradé avec des couettes. Et... non, j'ai un dégradé, s'il te plaît. Yarabé, c'est quoi ça? Arrête. J'ai vraiment peur. J'ai peur aussi, ta gueule. Vous savez, si ça foire, je vais faire comme TK là. Non, tu sais quoi, je vais commencer par là parce que j'ai un peu moins peur. Je sais même pas utiliser un rasoir. C'est la première fois que j'utilise un rasoir de ma vie. Pourquoi tu rigoles? Parce que je galère de ouf. Tiens ton oreille, Gobler. Tiens ton oreille, ouais. Tiens ton oreille. C'est quel coiffeur, tu vois, il dit tiens ton oreille, frère. Attends, tiens ton... Oh, bébé, tu me fais peur. Oh, bébé, quoi? Tu me fais peur, wesh. Quoi? Mais coupe pas l'oreille, wesh. Mais je lui coupe pas l'oreille. Non, mais parce que là, il fait un bruit bizarre, là. Mais il fait pas un bruit bizarre. Mais me menace. Arrête de t'exciter, calme. Non, voilà, j'ai peur pour les oreilles. Relax, c'est bon. Vas-y, tiens ton oreille. Elle me dit, voilà, tiens ton oreille, frère. Wesh. Non, mais sérieux. Juste pour que je... Mais moi, ça va me faire stresser si je sens la machine, là. Ah, bébé, arrête de t'exciter. Mais tu vas me couper le doigt, wesh. Là, je me vois dans le retour, hein. Franchement, ça rend pas bien. Mais j'ai pas fini. T'as pas... Non, mais la scène, elle rend pas bien, en fait. On va faire un peu de ciseaux, là. Comment ça se fait, un peu de ciseaux? Bah, ici, là, parce que j'arrive pas, et j'ai peur de te faire mal, ou tu t'excites trop, donc c'est pas la peine. C'est une sage décision. Ouais, t'auras pas de contour, hein, moi, je te dis. Hein. Moi qui pensais que j'allais être frais et tout, à la fin. Ah, quoique, peut-être ça va être bien. En vrai, moi, que ce soit bien. Mais... T'as pas confiance en moi. C'est vrai. En vrai, t'as raison de pas avoir confiance parce que je sais pas ce que je fais, mais... Ça me met encore plus en confiance. Imagine, tu vas vraiment chez un coiffeur et dire, bon frère, je suis stagiaire, t'attends pas un truc de ouf, mais vas-y. C'est ouf. Mais bébé, comment tu rases là? Hein? Comment tu rases là? Bah comment ça? Attends. Je vais vous montrer comment elle a fait. Attends, passe. Elle a vraiment fait comme ça. Genre comme ça. Mais... C'est comme ça. Mais je sais. Mais pourquoi t'as fait comme ça? Je sais pas. Mais là, ça peut pas raser. Mais regarde, ça tombe par terre. Mais c'est pas grave, il y a l'aspirateur à côté. D'accord, c'est vrai. Il y a des araignées, elles vont voir des cheveux débarquer, elles vont rien comprendre. Mais en fait, chérie, ça ressemble à rien. Mais je vais pas encore. Là, ça va être plus court. Ça va être plus court. Tout ça, là, ça va être à 0,5 si je fais là à 0,5. Ouais. On est d'accord. Ouais. Ok. Pour faciliter la vie. Je te jure, tu fermes ta gueule si c'est moche. Comment ça se ferme? Non, je vais ouvrir ma gueule si c'est moche. Bébé, qui fait ça? Elle est en train de me trancher le crâne. Regardez. Ça te fait rire? C'est trop drôle. Oh. Qu'est-ce que tu veux? Non mais c'est bon, t'inquiète. Oh, j'adore. Parce qu'il paraît les femmes, elles aiment bien les nuques. Hey, attends. Bébé, c'est une catastrophe. Non, je te jure, c'est bien, tu verras. Mais tu peux me remettre ma pince, s'il te plaît? Parce que là, je suis en train de galérer. S'il vous plaît, prenez soin de moi. Wallah, elle m'a étranglé. Merci. C'est bon. Voilà, je préfère. J'ai peur pour la suite. Donc là, en fait, c'est une boule à zette progressive que tu me fais. C'est un concept. Je crois. Non, mais regarde pas. Qu'est-ce... Attends. J'arrive pas à voir. Wallah, j'aimerais trop voir. Mais tu peux pas voir. Mais c'est la catastrophe. C'est bon. Bismillah. C'est maintenant que tu dis bismillah. T'es sûr de toi là? Non. Mais pourquoi, wesh? Mais tu pouvais pas tester sur un castor d'abord? Ok, vas-y, c'est bon. Mets ta tête comme ça. Mais... Quoi?
Fais doucement, wesh. C'est des coiffeurs et des coiffeuses là, elles veulent me tuer. Bah après, c'est la première fois, tu vois, donc... Soyez indulgents, on va dire. Oh merde, j'ai laissé le sabot là-bas, attends, je cherche. Quelle organisation, c'est incroyable. J'espère que vous kiffez cette vidéo. Si c'est le cas, vous mettez un petit like pour mater la suite, ça fait plaisir. Dis quoi ? Une petite pause pub, quoi ? Non, tranquille, je suis en train de reparler. Tu fais quoi là ? Tu peux expliquer ce que tu fais ? Attends, attends ! Pardon, j'ai baissé un peu plus pour faire un effet de gueule. Non, 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 pas besoin de gueuler. En fait, explique-leur qu'est-ce que tu fais. J'ai pris un autre sabot, ouais. J'ai baissé à 4 pour pouvoir essayer de lui faire un dégradé. 4 mm ? Oui. Ok, d'accord. Oh merde. Qu'est-ce que t'as fait? Pardon. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait trop. Aïe, là, fais voir, fais voir. Oh my god. Non, mais pardon. Ah, mais c'est catastrophique. C'est rattrapable ou pas? Ouais, ouais, t'inquiète. Je vais essayer. Au pire, c'est pas grave, c'est là où je mets le casque habituel. Bref, vas-y, on va tenter un truc. Ça fait grave peur. Imagine, ça c'est pas une phrase en tant que coiffeur. Alors frérot, là on va tenter un truc là. What the fuck? Bah vas-y, je mets à 18 et je te fais tout ça là comme ça. Vas-y. Vraiment, je t'ai pris pour une tête à coiffer. Quand j'étais petite, j'aimais trop faire ça. Ouais, je leur faisais des dingueries, moitié rasée, moitié avec les longs cheveux. Skinna Barbie, elle avait rien demandé. Mais toi, t'as cru que j'étais un Lego quoi. Regarde-moi ce truc. T'es sûr de toi là? Pas du tout, mais bon, j'essaye de faire comme je peux. Ça fait 47 minutes, 47 secondes. Ah ça, c'est un motif de rupture pour certains, littéralement. Voilà. Là, on est en train de donner l'exemple aux jeunes, tu vois ou pas? C'est pas parce que ta femme, elle a raté ta coupe qu'il faut la larguer, non? De toute façon, c'est pas comme si t'avais le choix, hein. C'est pas comme si je te disais, ouais, je sais faire ça à la perfection, vas-y, viens, et que tous les coiffeurs étaient ouverts. Hein. T'as pas le choix, de toute façon, t'es devenu un mouton. Déjà depuis 3 semaines. Voilà, bah, voilà. Douche. Bah, j'attendais de l'égorger pour le ride. Bah moi ça me dérangeait pas. Hein. Bah moi ça me dérange. Bah c'est toi le problème en fait, c'est pas moi. Bah moi je le vivais bien. Bah pas moi. Jusqu'à ce que tu me dises, allez s'il te plaît, laisse-moi. Mais en fait je me dis c'est trop marrant si je te coupe les jeux. J'avais trop envie. Tu voulais te taper un délire, tu te faisais chier. Vraiment, en vrai c'est ça. En vrai toi, quelles étaient tes attentes par rapport au résultat? Genre ça donne quoi? J'aurais pu faire mieux, mais bon. C'est... Franchement, c'est pas si dégueulasse, je te jure. Je me verrai tout à l'heure devant le miroir. Non, mais quand tu vas voir dans le miroir, je sais que tu vas dire que c'est moche parce que ça va être la pire coupe de cheveux que t'aies jamais eue, mais bon. En vrai, ça sera jamais pire que sa coupe ananas. On est d'accord ou pas? Les masques, cible de tous les trafics. What the fuck? Ça bicrave du masque. T'imagines, chérie? Ouais, ils ont plus trop le choix. Il y a du business de masques à la télé. Et on va faire comme pour les chichas. Masque goût fraise, masque goût cerise, menthe, double pomme. Ah, tu veux désépaissir de ouf? Ah oui, bah, parce que vu que c'est coupé à mort, là, faut pas que ça fasse une touffe comme ça. Bah c'est vrai. C'est vrai, ça va faire dégueulasse. En vrai, de vrai, c'est un plaisir. Même si le résultat, il est pas genre pro, c'est pas grave. Bah c'est fait maison, tout simplement, et c'est fait avec amour. Même si c'est vrai. Même si c'est pas parfait. Des fois, je me sens obligé, tu vois, qu'il y ait une discussion, tu vois. S'il y a pas de discussion, je me sens trop gêné. T'endors quoi? Ah, moi je suis gêné en fait. Ah, c'est vrai, à chaque fois que tu me dis ça, tu rentres de chez le coiffeur, tu penses que c'est... Mais voilà qu'il m'est arrivé d'aller chez des coiffeurs, j'étais trop gêné en fait. Parce qu'il n'y avait aucun effort en discussion, t'as l'impression que c'est des robots. En fait, faut que je te dépêche un tout petit peu derrière. Mais en vrai, j'aime bien. Et puis ça va. Voilà, j'ai trop parlé mal, mais en vrai, je te jure, j'aime bien. Voilà, bébé, je crois depuis tout à l'heure, la mise au point, elle est pas sur moi. C'est pas grave. En vérité, il n'y a rien à filmer, tu me dis. Est-ce que vous pensez qu'elle a foiré ou vous pensez qu'elle a géré? Attends, j'ai pas fini. Elle a pas fini en plus, attention. Ce qui dépasse, je te coupe un peu. Tu penses vraiment bien le faire? Oui. Bébé, c'est une barbe, c'est bon, c'est pas... Bah ouais, il y a des spécialistes de la barbe, hein. Ah okay. Oh, putain de merde. Il y a une raison pour laquelle il y a des gens qui font pas la barbe. Si tu gâches ma barbe, je t'en voudrais par contre. C'est pas comme si t'avais une barbe de ouf. Je rigole, mon amour. C'est trop méchant, Rodla. Mais je te jure que je rigole, chérie. Bah c'est vrai en plus que j'ai pas une barbe de ouf. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai l'impression que tu prends soin de moi. Mais je prends soin de toi, mon chéri. Mais c'est un truc de ouf. Hein, c'est un vrai concept d'avoir une femme, en fait. Voilà, je le conseille à tout le monde. D'avoir une femme qui prend soin de lui ou d'elle. Et en fait, juste une personne qui vous aime. Parce que je me rends compte de l'importance de ce que c'est. Mais là, j'ai l'impression que tu coupes trop, non? Tu la tailles, en fait. Tu la tailles, genre... bien ou tu la tailles... Je t'enlève tout ce qui
dépasse, qui fait une putain de truc. Ne me coupe pas un bouton, s'il te plaît. Si tu vois un bouton. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? Bah, des fois, j'ai des boutons, c'est normal. T'imagines, il y a vraiment quelqu'un, genre, il est tellement riche, il y a quelqu'un qui s'occupe de ses boutons. C'est pas, il s'occupe... Ça s'appelle un dermatologue. Non, 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 je te dis pas justement qu'il s'occupe de sa peau, qu'il s'occupe de ses boutons. Bah, il y a des gens, ils vont littéralement au dermatologue juste pour leurs boutons. Non, mais je te dis, un spécialiste, un boutonologue. Un puologue. Oh, tu me dégoûtes. T'as des petits trous dans ta barbe, en vrai. Je sais, merci de mettre en avant. Pardon, mais je te dis, mais c'est pas des défauts, wesh. Je te coupe un peu, là. Yarbi. Bébé, je te coupe un peu, wesh. Arrête de t'exciter. Le problème, c'est que je peux pas parler, là. Et alors? Tu me pinces. J'ai envie de t'insulter. Pourquoi? Parce que j'aime pas. Je voulais pas que tu y touches. Oh là là. Aïe! Bébé, arrête. Tu m'as enlevé un poil. Wow! Bébé! J'ai senti que c'est parti dans ma narine, wesh. C'est pas censé être là-bas. T'inquiète pas. On dirait, en fait, je suis en train de d'accoucher. C'est compliqué. Je... Don't worry. Déjà, je vais faire ça. Quoi? Attends. Mais en fait, vraiment, t'es complètement taré dans ta tête. Parce que le problème, t'attends même pas que je finisse de parler pour que je commence à couper. Mais en gros, quand j'approche, ça veut dire ferme ta gueule. Mais t'es censé me prévenir, c'est pas le contraire. Genre, c'est moi, je dois faire gaffe à mes lèvres. Je suis fière de moi, en vrai, ça fait un peu plus propre, tu vois. C'est vrai que je suis mignon. Littéralement. Arrête d'ouvrir ta bouche. J'ai senti que la pointe, elle m'a pointé la lèvre. Mais c'est pas la pointe, c'est juste parce que c'est froid, ça veut dire même ça. Voilà, ça là, ça, tu vois ça. Ça. Ok. Ça a touché ma lèvre. Et alors? Bah ça. Hein? Mais ça va pas. Bébé, tu m'as fait arracher parce que t'as bougé. Arrête. Mais tu comprends pas, le truc il est rentré dans ma narine. Il rentre pas dans ta narine. Mais ma narine, je la connais quand même. arrête de t'exciter, s'il te plaît. Chérie, est-ce que quand la coiffeuse elle te fait ça, tu fais... Bah parce qu'au moins elle le fait bien. C'est bon, je déconne. S'il te plaît, arrête. C'est vrai, donc. S'il te plaît. doucement. Ne jamais vanter les mérites d'une autre femme auprès de votre femme. Jamais. Surtout quand elle va couper votre moustache. Parce que tu le penses? Bah non. Bah non, bah oui. Ça dépend, on parle de la moustache. Bah quoi? Arrête de sourire, s'il te plaît. Arrête de faire. En fait, c'est bon, là. Là, c'est bon. Arrête! Oh, qu'est-ce qu'il est chiant! Elle est par terre pour info. Mais voilà. Mais en fait, le problème avec toi, c'est que tu dis on arrête et tu continues. Mais en gros, ce que je veux dire, arrête, c'est arrête de bouger. C'est que de base, je devais même pas faire la barbe là. Et au final, tu le fais. Normalement, quand t'es dans un salon de coiffure, c'est le miroir qui vient au client. Là, c'est le client qui est au miroir. Quoique, en vrai, je peux juste prendre mon portable. Ouais, ça va. En vrai, j'ai du mal à voir qu'est-ce qui se passe à droite là. Je sais pas si. Ah, mais je crois que c'est des. Oh mais c'est normal, c'est parce que j'ai des trucs sur le crâne en fait, j'ai comme des rougeurs ou des trucs comme ça. J'ai un peu des rougeurs. Regarde, va voir la lumière là-bas. Ouais, je vais voir la lumière, mais en vrai, je pense que ça va. Bon, vous allez découvrir ma réaction en direct de la salle de bain. Franchement, ça va. C'est pas catastrophique. Tourne, pour voir. Mais c'est pas... Regardez derrière. Ouais, mais le problème, c'est que moi je peux pas voir derrière, c'est ça le problème. Heureusement que tu peux pas. Tu veux que je me retourne? Regardez là. Oh, mais j'avoue, c'est dégueulasse, wesh. Bah oui, j'ai même pas fait. Bon, quelques imperfections, on va dire, peu mieux faire. Est-ce qu'il y aura une prochaine fois? Je sais pas. Est-ce que ça partir sur une poule à Z, hein? Non, t'abuses. Je te jure, t'abuses. Mais c'est pas dégradé en fait, ça. Bah ouais, mais bon, c'est une coupe. Le culot de cette femme. Bon, bah en tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, vous laissez un petit like, petit commentaire. Et si vous avez des suggestions pour d'autres coupes qu'elle pourrait me faire, c'est mort. Prenez soin de vous. Peace. Allez, ciao.